Mes chers amis, vous qui êtes tous les jours ici, en écoutant ces messages que Dieu alors m'a donnés, et je loue Dieu pour tout cela, l'évangile de Jean commence alors par une prière, hein, parlant de Jésus, alors au chapitre 17, avec une prière de Jésus. Et dans le verset 9, il nous dit la chose suivante, « Moi, c'est pour eux que je demande. » Qui sont ces eux, hein, moi et vous ? Jésus donc a prié pour nous. « Je ne demande pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Gloire à Dieu. Dieu ne nous a pas donnés à Satan, hein. Dieu nous a donnés à Jésus. Alors qu'est-ce que nous devons donc faire ? Nous dédier à étudier la Bible comme si elle était alors un livre de trésor. Ils vous ont donné un livre, et si vous découvrez alors la clé, vous allez trouver le trésor, oui, et qui va faire de vous la personne la plus riche de l'univers. Alors vous passez jour et nuit à la rechercher, alors j'y suis presque, alors demandez à Dieu jusqu'à ce que vous la trouviez, ainsi nous devons faire avec la parole de Dieu. Nous serons les personnes les plus bénies du monde. Regardons maintenant ce témoignage et nous revenons juste après. Je prends des médicaments pour pouvoir remuer le bras, sinon je ne parviens pas à le bouger. Non, avant que je n'arrive ici, je sentais une douleur au bras. Je ne suis pas allée travailler, mais maintenant, vous êtes guérie, tout va bien, regardez. Maintenant, je reviens pour prier avec vous, voyez, hein. Peu importe quels sont vos problèmes, peu importe ce qu'on dit ici, que Jésus a prié pour vous et pour moi, pour nous. Il n'a pas prié alors pour le monde, mais pour ceux que Dieu lui a donnés, parce qu'ils étaient de Dieu. Mes chers frères, Dieu est en train de répondre à présent. Alors prions, Père. Je prie maintenant pour toutes ces personnes ici, pour qu'elles entendent, oui, qu'elles comprennent et qu'elles deviennent victorieuses et soient alors une véritable bénédiction. Et je paralyse toute action du diable dans leur vie. Alors je l'expulse et je dis, sors de là, au nom de Jésus-Christ. Et vous dites maintenant, Amen, et que Dieu vous bénisse.